Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 8 mars 2024. En fait, le but de ma vidéo, ce n'est pas d'inciter à mes frères noirs africains de venir rejoindre le Maroc. Dans les commentaires qu'il m'a laissés, c'est des commentaires méchants. Et moi, je montre que les quartiers classent. Et je ne montre pas trop que je suis en train de vendre du rêve aux Noirs. Je ne fais pas cette vidéo-là pour dire aux Noirs de venir ici au Maroc. Je veux que chez moi, on fasse la même chose. Donc, je ne suis pas en train de faire. Là où je suis, en tant qu'immigrant qui vit au Maroc, si c'était soit en Côte d'Ivoire, par exemple, au Sénégal, je ne pourrais pas vivre dans cet appartement. Je suis dans mon appartement présentement comme ça, je ne vois pas. Donc tout de suite là, je sors montrer dans le quartier pauvre. Donc là, je sors comme ça de la maison. Où je suis, voici ça. Là, je suis au premier. C'est la maison qui est là. C'est la maison qui est là. Là où je vis. Donc voici le quartier. Comme il a plu ce matin. Donc, habituellement, le matin, quand vous vous réveillez, vous voyez que tout ici là était déjà balayé. Aujourd'hui, comme il y a la pluie, ça n'a pas été fait. Voici le quartier que je vis. Voici ici le caniveau. Voici le caniveau du quartier pauvre là. Chacun essaie de modifier devant son immeuble à sa manière. Mais ils ont fait de sorte qu'il n'y ait pas la poussière. Voilà. Mais malgré, vous voyez, il n'y a pas de désordre. Les maisons. Donc voici ça. Donc tout à l'heure, là, je sors. Je veux qu'on fasse la même chose. Parce qu'ici, on peut dire non. Ce n'est pas une ville de. On peut compter les plus développés du Maroc. Quand les gens viennent faire du tourisme, moi, je ne vois pas que les gens viennent ici. Soit ils vont à Agadir. Agadir, Marrakech. Et puis Tanger. Donc dans ma vidéo, je ne fais pas que les gens viennent ici. Hein. Je veux qu'on fasse la même chose comme ça là chez nous là-bas. Partout, partout, partout en Côte d'Ivoire. Je suis en train de montrer. Ici, je suis devant. Dès que je sors de chez moi, voici ça. Voici comment les maisons sont alliées. Et quand les maisons sont alliées. Est-ce que c'est pas joli à voir ça? Hein? Comment les maisons sont alliées? Les constructions. Ça, les quartiers, ça là. Quand on dit que la classe moyenne, ça qui est là comme ça. Dès que je sors de chez moi, voici en face de nous, voici comment ça est. Et chez nous, il faut être à Abidjan pour voir ça.
ça serait difficile de voir ça, mais ça a boqué. On dit que les ici, même on dit ceux même qui sont pauvres, même là, c'est leur quartier même qui est ici. Tu vas pas savoir qu'ils sont pauvres, tu ne vas pas savoir parce que c'est presque les mêmes choses, à part ici, à part le village. Et d'après les informations, c'est les employés de OCP. Ouais. Je ne fais pas ça pour... Je dis aux gens de venir ici. Mon message, c'est pas ça. Je veux qu'on fasse la même chose comme ça, là, chez moi, en Côte d'Ivoire. Voilà. Je répète tous les jours. Mon message, c'est pas d'inciter aux gens de venir ici. Ici, là, le travail est sécurisé pour les Marocains. Voilà. Seulement ceux qui sont qualifiés. Moi, je ne suis pas qualifié. Je ne suis pas qualifié dans le métier. Ici, c'est bien pour ceux qui ont un métier. Donc, cher Andy Sonko, c'est le message qui est là. Que je traverse sur ce côté. Ici, il est représenté comme quartier de classe moyenne. Moi-même, je ne sais même pas. Je dis ça comme ça. Parce que je ne connais pas ceux qui sont classe moyenne, ceux qui sont. Mais juste, je dis ça comme ça. Tout le monde habite. J'ai fait ça pour qu'on fasse la même chose chez moi là-bas. Je ne fais pas ça pour vous inciter des gens à venir au Maroc ici, non. C'est pas pour ça. Il y a toute construction. Hein? Il a parlé aussi de la négrophobie. Mais la négrophobie même là, entre nous les Noirs même, c'est encore pire. Parce que ici même là, j'ai travaillé avec une dame noire de chez toi, une dame sénégalaise. Même le salaire que les Marocains ne payent même pas, le salaire même qu'elle me payait là, les Marocains ne payent pas le salaire comme ça, 2000 dirhams. Elle me payait 2000 dirhams, mais j'ai travaillé pendant combien de mois avec elle? 6 mois. Avant même de commencer le travail même là. C'est pas tout, il peut dire ici. Hein. Donc, la négrophobie là même, chez toi même au Sénégal là, je pense que c'est encore pire. Parce que je vois en Afrique noire là, vous êtes beaucoup excité. Ça, c'est un nouveau quartier, hein. Ce que j'ai observé là. Il y a toujours du goudron. Partout. Par contre, là, c'est un loup qui est là comme ça. Chez nous, au pays, en Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire là-bas, il y a des quartiers, mais il n'y a même pas goudron là-bas. Mais ici, là, il y a du goudron partout. Des belles constructions. Ce qui est constaté que les Marocains construisent. Hein?
Ah, c'est bien. Quand les voisins sont jaloux d'une ville même qui ne représente même pas, qui n'est même pas une ville touristique, hein. C'est la médina, un coin à se détendre. Moi personnellement, au Maroc ici, je ne vois pas la différence entre le Marocain noir et le Marocain blanc. Je trouve qu'ils sont tous mélangés. Donc dans les commentaires, je vois que les Marocains ne sont pas affichés, les Noirs, pardon, ne sont pas affichés, les Noirs marocains ne sont pas affichés dans les médias, partout, partout. Moi, je ne fais pas la différence ici. C'est ici que tu es et puis tout le monde est marocain ici. Il n'a jamais entendu que lui là, c'est marocain noir. Voilà, ce thème-là, ça n'existe pas ici. Entre les Marocains, ils sont tous marocains. Voilà, être dans les médias là, c'est un métier. C'est un métier, le média. Donc, si les Noirs marocains ne sont pas dans le média, ça veut dire que c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas faire. Voilà. D'autres disent que d'aller faire ça chez moi là-bas pour plus montrer mon pays. Mais moi, je vis dans le pays des gens. Donc, comment se fait-il que je peux aller chez moi là-bas? Même ça là, un coin comme ça, c'est rare que ça existe. Abidjan même. Dès que maintenant, bon, dans le temps 2011, moi j'étais là-bas là. Dès que depuis là, ça a changé maintenant. Moi, je suis dans le pays des gens, donc je ne peux pas aller chez moi faire ça. Le jour où j'arrive, je le ferai. Eh, hey, ça a dit. Donc, le jour où j'arrive chez moi, je vais faire ça. Mais là où on jette les poubelles partout, c'est propre. Ici, c'est le marché. Hein. C'est le marché, mais il y a une propreté ici. J'aime beaucoup lire vos commentaires. Il y a vu quelqu'un que je connais. Là, je vais à la gare. Le train. Il faudrait que je montre les exemples, ou soit l'exemple marocain. Le ciel est beau, hein? Le ciel est beau. Le ciel est beau. Ah, vos commentaires me donnent plus de courage. Hein.
Sinon, de nature, je suis une personne timide. Je ne parle pas assez. Partout, il y a du goudron dans ce pays. Souvent, je me demande que le Maroc n'a pas de ressources. Mais quand même, il fait mieux. Chez nous, on a des ressources. Mais on ne sait même pas. On ne sait même pas pourquoi on est en retard dans tout. Il y a 10 ans. 10 ans de ce jardin. Savoir-faire marocain. Les vraies idées. Là, c'est la gare. Gare du train. En face, c'est l'autre gare de bus. Gare routière de voyageurs. Vous voyez, il y a toujours un coin pour les piétons. Tout ça là. Hein? Je vous montre les petits petits coins de cette ville horrible, les merveilles. Et déjà même, ils vont faire un joli truc, ils vont venir placer les choses dedans encore. Oh. Changement. Vous voyez la beauté, hein? Le secteur là. Ici c'est sous le front. Derrière moi il y a le commissariat de police. Vous voyez. Sous même le pont, même là, c'est encore propre. Hein? Sous le pont, le rail. Partout, il y a la propreté. Ça là, on voit chez nous là-bas.